Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau en direct de la Opal Arena numéro 5, cette fois-ci en compagnie de Maxi comme on a pu le voir hier. Comment ça va aujourd'hui? Bah ça va super, écoute, très bien dormi, une bonne journée qui commence, donc voilà, je suis assez happy. Plutôt tranquille pour vous, ouais. Vous êtes qualifié pour la finale winner tout à l'heure en vous imposant face au Asantia Unbreakable de l'OM, en match maîtrisé dans l'ensemble. Là tout de suite on rentre dans le vif du sujet avec les suprématies qui représentent la structure KFR face au deuxième roster Asantia, donc Asantia Legacy de Melo, Shewi, Zero et Dilux, pardon. Donc on va se mettre plutôt du côté, il me semble que ça doit être Get Some. Ouais, voilà, c'est Get Some, Grisou Gang. Je vous ai fait un petit freestyle de votre nom, bon, là pour, sur la île dès le début. Ça va plutôt être un échange de kills pour essayer de conforter les streaks. Ouais, donc là on voit vraiment les suprématies dès le départ qui essaient de vraiment contester un maximum le point. On connaît notamment la force de Get Some et de Requin pour cela, hein, des très bons objectifs d'ailleurs. Donc on va voir ce que ça donne. Le P1 généralement un point assez contesté, voilà, c'est celui du 15-15, ça monte pas souvent au-dessus. Et voilà, il faut déjà enchaîner sur une bonne première rotation pour pouvoir. Pour pouvoir prendre un peu d'avance sur son adversaire. Ouais, alors qu'on voit Shewi, voilà, qui va attendre tranquillement au niveau de la station. Il a déjà des câlins, il a Wick, Tony Jai, il va pas aller chercher le frag. Malheureusement, Zyler va le calmer directement. On va se mettre sur Getsum qui est dans le point. Il est pas très très loin de ses score streaks. On va voir ce que ça peut donner pour lui. Mmh. Ouais, la Getsum qui est en position compliquée va prendre une greue. Il a eu peur de gilet par balle, donc il est bien. Et donc voilà, Getsum qui est toujours sur ce top. Il essaie de contrôler au maximum la zone pour pouvoir permettre à ses coéquipiers de slayer le bail. Voilà, Dilux qui rentre avec le B23R qui fait le frag sur Getsum tout de suite. On voit les Asensia qui reprennent le contrôle du point. Ils vont placer les trophées tout de suite, on en parlait tout à l'heure, les suprématies qui sont connues pour utiliser énormément de stuff. Donc dans la heal tout de suite le trophy, pour le moment c'est une égalité assez parfaite. La transition qui va devoir être assurée d'ores et déjà par les suprématies, on voit avec Getsum qui est en train de se placer et Tony Jai au niveau du tank. Ouais, donc l'encre, voilà, Tony, on sent qu'il se met voilà, au fond, il prend le foin, il essaie de trouver les premiers frags de transition pour pouvoir aider son équipe au maximum à bien se placer pour la prochaine. Voilà, c'est ce que fait Zyler aussi par la back alley, ils ont tous les deux un angle assez important. La seule option pour eux, c'est de pousser Kebab, et c'est ce que sont en train de faire les Asensia. Ils se rejoignent. Et ça va arriver au niveau du back alley, Zyler va avoir des duels. Il y en a déjà un qui est tombé, il en reste un deuxième, je sais pas s'il l'a réellement spot, oui je pense qu'il est spot. Voilà, Melo va tomber sous les balles de Zyler et dans la heal pour le moment c'est une bonne maîtrise de la part des suprématies qui vont pouvoir refaire leur petit retard. Hein. Ouais, voilà, il y a un petit retard d'une vingtaine de points, c'est pas, en early game c'est pas grand chose. Hein. Donc voilà, suprématies qui enchaînent les frags là. Ah, Zero qui fait quand même un kill sur Tony Jaa à l'encre, Zero qui fait un double à l'encre. Attention à Zero quand même. Le trip, non, Zyler va le calmer assez rapidement, il va commencer à reconforter un petit peu dans le point. Getsum qui est toujours en train de faire son travail de slay justement au niveau du top pour le back alley. Ouais, donc là on voit voilà, Getsum, le gros double kill à l'intérieur du point là qui lui permet d'avancer bien dans ses score streaks et de reprendre le contrôle. Mais malheureusement il challenge un petit truc à la fenêtre qui lui coûte sa série d'élimination. Donc voilà, la suprématique tout en contrôle, hein, on sent vraiment une game équilibrée pour l'instant, à peu près 70 partout on va dire, il y a une petite quinzaine de points d'écart maintenant. Effectivement, alors que la Tony Jai est arrivé au niveau du carton pour aller faire son travail donc de l'autre côté, le problème c'est qu'il n'arrive pas à prendre le dessus sur Melo qui gagne un duel très important pour la transition. On va passer justement sur lui puisque la transition a été faite, le point est lancé au niveau du B4 et on va voir comment ils vont réussir à gérer ça. Par contre, il n'y a personne qui couvre le bac au niveau de la station, il va falloir faire attention. Il faut que Dilux regarde, voilà. Oh, attention, c'est dommage, c'est réellement dommage. Zyler qui prend le double, le bon double. Failli break, Dilux est toujours là. Cependant, il va perdre son duel face à Tony Jai, duel très important chez lui. Ah voilà, très bien joué de la part de Requin. Et voilà, Getsum qui sauve Requin, la cover parfaite, c'est très bien joué. Grosse complicité entre les deux joueurs. Hein. Ils jouent ensemble depuis pas mal de temps maintenant, donc ça crée forcément des liens in-game. On peut voir des covers un peu extraterrestres. Alors que la Getsum est toujours en train de faire le top. Regardez s'il y en a un qui est proche de ses streaks. C'était le cas de Requin, mais il est tombé malheureusement. Melo qui est au top, il va essayer de faire nécessaire. C'est mais le moment Melo. Ouais, dommage. Il est attendu par Zyler. Ah bah vraiment, c'est vraiment très très contesté, hein. Il y a sa break de chaque côté, voilà Dilux qui fait encore un gros double à l'intérieur du point sur Zyler et Requin. Les Asensia qui vont terminer ces 6 points, ces 6 petits points poubelles comme on les appelle maintenant. Et ils vont essayer au maximum d'enchaîner une transition, mais Suprématie déjà présent à l'intérieur du P1, il semble avoir un très bon contrôle du bas-bois. Donc il me semble que ça doit être Getsum. C'est Getsum qui a le contrôle du bas-bois. Donc voilà, c'est bien joué de sa part, mais Melo qui arrive à prendre le bon kill, qui va pousser le babois tout de suite pour essayer de breaker cette heal. Oh là là, le gros double de zéro encore là. Ça a été break avec ce double de zéro justement, et là ça va spawn au niveau de la station, ils ont les spawn pour le P2, attention ça va arriver derrière, il n'y a personne qui contrôle au niveau du bois côté Asantia. Melo qui va se retourner, il fait encore un kill très très important, et Zyler qui rentre pour calmer tout le monde, Tony Jack qui doit pas être très très loin de ses score streaks maintenant. 97 à 120 en faveur des suprématies.
ça va commencer à s'accélérer à mon avis. Ouais, c'est vraiment pas mal ce qu'ils font les suprématies. Ils cherchent vraiment à ancrer deep. Là on voit quelqu'un qui est parti bacaler, malheureusement il va avoir deux duels à gagner, il est de dos, voilà, donc logiquement il va mourir. Getsum qui gagne son premier duel très important dans la ligne, le deuxième, le gros double de Getsum qui permet de conserver cette île et en même temps les spawns puisque la Tony Jia est en mauvaise posture. Justement Tony Jia qui est très très proche de CSS à mon avis, il va essayer de jouer la sneak pour récupérer peut-être les points. Ouais, il a un trophy à casser s'il veut, mais il va sans doute attendre d'avoir le frag. Ouais, il s'est fait UM malheureusement, il a un petit peu spoté maintenant. Ah dommage pour Tony Jia. Dommage pour Tony Jia. On voit la Sensia qui essaie vraiment de jouer ultra agressif sur cette île. Voilà, il y a déjà du conflit au top. Zéro le duel contre Getsum, ultra important, GG Getsum. Getsum là qui réussit son duel, il est bien en train de faire un petit tour du côté du tableau des scores. On voit Getsum qui est en 14-9, hein, très très bien rentré dans sa game à son côté de son tour, pardon. 0 en 18-14, c'est assez homogène hein, sinon au niveau des scores, 148 à 112. Je pense que passer la barre des 150, il va commencer à avoir un peu d'écart qui va se creuser forcément pour une de deux équipes là. Ouais, vraiment on sent que la prochaine rotation va être très très importante pour les deux équipes. C'est vraiment une île qui peut se tenir assez facilement. Si bonne cover il y a bien sûr toujours et là on sent vraiment les deux équipes, il y a une certaine tension dans le match qui est assez palpable, rien qu'au niveau des scores et des duels, c'est assez fou. Ouais, c'est deux équipes qui jouent vraiment très très rapidement, pourtant généralement on voit les suprématies beaucoup plus posées, mais là Getsum et Rocket ont décidé d'augmenter un petit peu le rythme. On voit tout de suite hein, les KFR qui sont en train de gérer leur transition, Rocket qui montait dans les ligues, son duel très très important face à Dilux, et là c'est Melo qui va essayer de counter pour garder ses spawns, malheureusement ça ne fonctionnera pas ce travail. Ouais, gros travail de Tony Jia à l'encre qui prend le bon kill sur Melo qui avait tenté un petit peu quelque chose de compliqué, mais bon il le réussit souvent donc c'est un peu logique. Et donc voilà, Tony Jack est toujours à l'angle, Supremacy qui conserve les points qui sont maintenant à 30 points d'écart. Ça peut commencer à devenir intéressant pour Supremacy cette opération, là s'il garde les 40 prochains points. Encore un bon kill de Zyler, la mine de rien. Attention, ça va arriver, Zyler qui l'a vu là, oui, qui va tenter son duel au niveau du tank, c'est gagné face à Zero. Gros move de la part de Zyler qui permet de vous pousser encore une fois un petit peu plus loin la vague des Ascentia. On va se mettre sur Requin qui est pas loin de ses score streak dans la hill. Ouais, donc là, ouais, Supremacy qui va garder, je pense, encore ses 20 points. Là, ils vont avoir une avance d'environ 70-80 points. On peut s'approcher quand même d'un point de non-retour pour l'équipe des Ascensia. Il faut vraiment être très très présent sur la prochaine rotation, faire la rotation parfaite et enchaîner sur un très très bon P1. Hein. Surtout que là, comment dire, la barre de 200 points a été passée, bientôt 100 points d'écart, tu faisais bien pardon de le souligner. On voit Tony Jack qui a quand même fait le travail, hein, le déplacement pour la transition. Il n'est pas attendu maintenant, il a pété le trophy maintenant, il sait qu'il est annoncé et ça va arriver du côté... Oh là, gros kill de Tony. Ouais, Tony qui est vraiment très très solide au niveau de son carton. Vraiment, on parle d'un des joueurs qui a le plus progressé sur cette saison pour Tony. Il impressionne de plus en plus. Je suis d'accord, ouais. Je suis vraiment d'accord, là il y a vraiment un monde entre le Tony Jia d'MW3 et celui de Black Ops 2, c'est plus du tout le même joueur et il a fait de gros progrès. Voilà, Getsum qui fait un double et le triple kill de Getsum, attention, le full team avec Requin qui ajoute son petit kill par-dessus. Gros break de suprématie. Et qui débloque ses score streak, il a débloqué son Hellstorm, Getsum qui est un peu hype là, on l'entend derrière. Donc là il est vraiment à l'origine du break des suprématies et sans doute de cette peut-être victoire qui se profile en HP. Ouais, énorme break de la part de Getsum, là Zyler qui fait une cover du feu de dieu pour son coéquipier, Zyler qui doit pas être loin, non il est encore assez éloigné de ses score streak. Et là il va essayer de débloquer le patator je pense, parce que si de toute façon ce sera compliqué, il va rester une petite dizaine de points à mettre pour les suprématies sur la prochaine île. On voit Tony Jia qui a fait le travail, même passer Zyler directement au niveau de la bacalée, il va avoir un duel, il va le remporter. Ouais, là on voit les suprématies qui sont vraiment bien en place. Là, Ascensia qui a le contrôle du point, mais suprématie qui a encore des score streaks qui vont tomber. Et Zyler qui est en train de se faire plaisir, il va cover derrière lui, voilà qui est fait. Très très bien joué de la part des suprématies. Comme on disait avant, les suprématies qui ont l'air vraiment en contrôle dans leur hard point. Hein. Zyler, juste un fire, encore un énorme double, un trip peut-être de Zyler. Il aurait pu avoir le full team. Avec un peu de chance, il a full score streak bien sûr, c'est victoire des suprématies là-dessus. Il va envoyer le patator pour la kill cam. C'est indéniable. Et voilà, le double de Zyler pour terminer. Supremacy qui montre un tout autre visage et Zyler qu'on n'avait pas vu énormément en forme hier, là il s'est transcendé sur cette game, en tout cas il a retrouvé, je pense qu'ils ont retrouvé un petit peu leurs automatismes et peut-être leur niveau de jeu, leur cohésion d'équipe qui leur manquait un peu. Ouais c'est clair, forcément comme on l'avait dit, on le répète hein, d'ailleurs il y a des retours de vacances et ils reprennent directement par une compétition qui en plus a une importance assez énorme quand même, parce qu'il y a quand même, on le rappelle, un ticket USWC France à gagner au bout de cet event. Donc voilà, les suprématies qui reviennent à leur niveau de jeu auquel on les connaît habituellement et qui le montrent actuellement par cette belle victoire en Hardpoint Standoff. On rappelle donc c'est un BO5, la deuxième demi-finale de ce winner bracket. Donc pour le moment 1-0 en faveur des KFR Supremacy face aux Ascentia de Melo.
on va se profiler vers une SND sur Express. Ouais. SND que tout à l'heure vous avez remporté. Ouais, 6-2. Face au Santia, 6-2, c'était assez serré dans le début. Tommy on fire. Justement, c'était Tommy on fire, tu le disais, c'était peut-être le mode de jeu où vous étiez le moins solide en SND. Là, vous avez réussi peut-être à vous conforter peut-être avec cette équipe. Ouais, en fait, il y a quelques maps en SND où nos strats d'équipe sont pas très élaborées. En l'occurrence, Express, c'est tout généralement toujours Tommy qui a le plus grand nombre de kills. Mais nos strats font que, en fait, justement, il y avait un petit trash talk in-game entre Lohan et nous parce qu'il disait vous faites carry par Tommy, etc. C'est vrai, il est vrai qu'il fait un nombre de kills extraordinaire. Mais il y a un placement d'équipe qui fait qu'en fait, on a toujours un système de vengeance ou alors de cover pour lui qui fait qu'il peut être à l'aise dans son rôle d'électron libre, entre guillemets. En fait. Voilà, donc c'est vrai que les gens après peuvent dire oui, sans tel joueur, oui, voilà. Pas ça. Mais les meta in-game font que souvent il est plus enclin à faire le plus de kills. On va voir en tout cas comment ça se profile et ça reste Tommy bien évidemment. Donc si vous avez des réactions, des questions, hein, n'hésitez pas comme d'habitude, hashtag DessertoLive, on se dépêchera d'y répondre le temps que les joueurs finissent leur classe. On va voir avec tout ça. Par rapport à cette finale winner, est-ce que tu aurais peut-être un adversaire que tu préférerais affronter, j'ai envie de dire, entre les deux présents ici? Bah en fait je sais pas trop parce qu'on a joué les deux équipes hier, ça s'est un peu mieux passé on va dire si on prend les scores de base. On a gagné 2-0 contre l'équipe Ascensia et 2-1 contre Supremacy. La logique des choses voudrait qu'on préfère Ascensia, mais je trouve que les deux équipes ont vraiment deux styles de jeu complètement opposés. On sent vraiment des Ascensia qui sont explosifs et qui ont vraiment des cas comme Melo, je pense à Melo, je pense à Zero, qui peuvent faire des triples à tout moment. Donc ça c'est ultra dangereux contre une équipe comme cela, parce qu'il n'y a pas de vraie structure pour briquer le hardpoint. En fait ils envoient un électron avec en mode Super Saiyan et ils essaient vraiment de faire la différence. Et une équipe comme Supremacy, après c'est un jeu plus posé, ça nous ressemble plus je pense. C'est voilà, ce serait un peu le duel symétrique quoi. Ouais, il n'y aurait pas vraiment d'opposition de style. Ouais. C'est vrai que là c'est comme tu parlais, deux styles réellement différents. En SND, on va voir comment ça se profile. Tout à l'heure on a vu, on en parlait encore de ce qu'on avait parlé hier sur le problème de poser la bombe réellement trop tard pour les équipes françaises. Ça a posé assez vite finalement dans vos games. Il y a eu des risques de prix, même des Ninja Diffuse qui ont été tentés. Et c'est plutôt de bonne augure là. Est-ce que tu penses que ça va être aussi feu follet en SND du côté des Ascensia? Ouais, je pense vraiment parce que comme on le disait précédemment, ils ont vraiment des gars qui sont explosifs, qui peuvent sortir un triple kill à n'importe quel moment et ça peut juste faire basculer le cours d'une map et d'un round. Enfin, c'est vraiment là on peut assister à une très très grosse SND là. Bah écoute, on va voir ça tous ensemble. Je te propose de choisir le joueur côté attaque hein, que tu veux voir. Ouais, je vais sélectionner Zero. Allez, on va se mettre sur si Zero. Si tu me donnes le choix, je vais prendre Zero. Sûrement qu'il va tout dépendre où est-ce qu'ils vont se diriger, on va voir ça assez rapidement. Visiblement c'est une A. Tempo. Ils sont peut-être d'accord sur ce qu'ils font, ils cherchent peut-être un petit kill, le first kill, et pour se décider ensuite, c'est une stratégie couramment utilisée. On va voir là Zero qui va aller se positionner tout de suite au top de chez lui pour breaker peut-être au niveau de l'arrivée de la bombe B. Visiblement ça n'a pas l'air de trop bouger. C'est une attaque tempo de la part des Ascensia quand même. Attention, ça va arriver, ils prennent le first blood et je pense que c'est ce qu'ils attendaient pour aller se diriger sur une bombe ou une autre. Là, le mieux pour eux ce serait sur B visiblement vu qu'il y a quelqu'un qui spot au top. Ouais, il faudrait que quelqu'un... Ah ouais, très bonne rotation. Ouais. Très bonne rotation parce que là ils vont vraiment l'agresser là. Il est tout seul. La bombe reste en arrière. Gros timing, Melo à mon avis va aller chercher son challenge. Donc, un petit peu le feu follet de Melo. Ouais, attention, Melo qui est bien placé. Melo qui est très très bien placé. Zero qui gagne un jeu très important. Et là, je pense pas qu'il va aller poser la bombe tout de suite. Il vient sur le pont. Il y va. Il sait qu'il y en a un au top. À mon avis, c'est Melo voilà, qui a ramassé le scope de Dilux. Il va aller s'en occuper. Chéri qui fait un bon kill au back sur Tony Jar en même temps, là, dans le même moment. Kill très très important de la part de chez Willan. Ouais. On va se mettre sur Zyler qui en situation de clutch 1v3. Ça va être compliqué quand même pour lui. Il va prendre le premier kill sur Melo. Oh, il avait le bon pré-aim en plus, c'est dommage. Il y a pas cru, mais bon voilà. Situation d'un contre 3, c'est jamais très simple. Zero qui prend quant à lui 3 kills et une bombe posée, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc il va pas être loin d'obtenir d'obtenir des petites score streaks là. Donc ça peut être intéressant pour Zero et Ascensia. On va voir s'il va réussir à jouer ses streaks, en tout cas, premièrement à l'avantage d'Ascensia qui ont un petit peu. Sincèrement, ils ont eu un 6 atouts. Gros timing. 6 atouts pour les Zyler. Ouais, je viens de remarquer, la classe 6 atouts. Carnage l'avait remarqué aussi hier, et visiblement, c'est pas une classe qui joue comme ça. C'est réellement pour de bon. Ouais. Ah, c'est assez smart, hein. Getsum qui est passé juste à côté d'un joueur, il s'est retourné. Ah, il est dedans.
Ils sont croisés. Et c'est Melo qui est sorti. Quentin Lewick. Ouais, ça risque d'être compliqué pour Melo. Zyler qui devrait prendre le kill, logiquement, voilà, gros kill de Zyler sur Melo. Et c'est Zero qui est déjà en situation de 1v4, là, c'est, j'ai envie de dire, voilà, il va se faire juste allumer par tout le monde. Ah ouais, là, c'est, ça va être du sang pitié, là. Voilà, c'est Zyler qui termine le travail. Et ça fait un partout, j'ai envie de dire, une attaque assez logique. Ouais, et finalement, c'est... qui passe plutôt bien du côté des suprématies. Hein. Bah ouais, c'est plutôt bien joué, c'est assez solide, hein. Comme toujours, les suprématies, dans leur style, c'est la solidité avant tout. Donc c'est très très bien joué de leur part, là, là-dessus. Rien à dire. Ils ont coupé Zero dans son streak en plus. Ouais. C'est bonne opération pour eux, je trouve. Exactement, bonne opération. C'est ce que j'allais dire en plus, puisque là, Zero, il me semble qu'il a même pas eu sa RCXD. Donc voilà, il aura rien eu. Sa première manche passe un petit peu à l'eau. On va peut-être se mettre du côté de Melo. Voilà, c'est aussi pour l'option un gros rush au niveau du B. Ouais, malheureusement, ils sont spot. Je pense qu'ils ont pris un peu de stuff là, quelques stuns. Il n'y avait pas de système de profil lancé. Le placement là, attention, Zero qui va décrocher son premier kill. C'est compliqué d'enchaîner pour Zero. Ah, il est dans une mauvaise position. Il pensait ramasser une AR, mais il a ramassé un B23, malheureusement. Il va se détacher quand même et il va poser ses bombes par contre. Et oui, Getsum l'attendait. Il était à l'affût. Ouais. C'est bien joué de la part de Getsum là quand même. C'est les kills importants. La bombe maintenant est sur le bomb site, il n'y a plus qu'à le cover. C'est normalement, ça donne des kills plus simples à prendre. Mais Melo qui a quand même réussi à récupérer la bombe sans se faire repérer. Et ils vont tenter une rotation, ça peut être très dangereux pour les SNCA parce que je pense que c'est Tony Jha, hein, logiquement dans son rôle, qui tient le back. Ouais, c'est Tony. C'est Zyler. Et Zyler qui a choisi de faire une rotate côté mid. Et là il va avoir un gros bad timing Zyler parce que ça va arriver dans son dos, je crois. Oh là là, ils sont croisés. Et voilà, Melo qui prend son round de la part de Getsum qui a été patient, qui est resté. Qui s'échange la situation d'un contre un, Tilux contre Requin si je ne me trompe pas. Ouais. Et là, ils vont se croiser, je crois que c'est la meilleure solution pour Tilux de décaler en A. Ah, faut y aller, tu vas pas avoir le temps de poser. Oui, c'est bon. C'est 5 secondes la pause, donc ouais, il est encore bien. C'est tout juste. Ouais, une seconde près, mais en tout cas, cette seconde, elle aura fonctionné pour Dilux, le PU de cette équipe, on le rappelle. Ils n'ont pas eu énormément de trades ensemble, mais pour le moment, visiblement, il y a plutôt une bonne entente entre les joueurs et Speak Up. Ouais, attention au top, à le bad timing pour Dilux. Et voilà. Et voilà, Requin qui prend le 1v1, qui remporte son 1v1 et qui permet à Supremacy de mener 2-1 dans cette SND Express. Plutôt propre de la part de Requin, il était patient, il ne s'est pas jeté, ça a plutôt payé pour lui pour le moment. De 1 suprématie, j'ai envie de dire pour le moment on ne peut pas trop prévoir qui est-ce qui va s'emporter. Ça, ouais. Les kills s'échangent, c'est assez smart des deux côtés. Assez smart, serré, il n'y a pas de grosses erreurs des deux équipes, on va dire, qui permet vraiment à l'autre équipe de prendre une bonne avance. Quoi. Donc non, pour l'instant, SND assez close, ça m'étonnerait pas que ça aille jusqu'à 6-4 ou 6. Ouais. À mon avis, ça va pouvoir y aller. Alors on va se placer sur Zyler pour cette attaque, justement. Donc Zyler qui va partir directement en B, là ils choisissent encore la même option que tout à l'heure. Tout à l'heure de faire un gros rush massif, ils vont encore casser les trophies. Ça doit vraiment être gênant là de placer les trophies et de les voir disparaître au bout de 10 secondes. UM qui paye pas, alors qu'il y a du monde derrière pourtant. Zyler qui se fait descendre de l'action, on va passer justement du côté de Requin qui est en série 3. Et là c'est RCXD, là la bombe maintenant. Il va tampon, il n'est pas forcément dans une position très très intéressante pour lui. Il y en a deux qui l'attendent et Requin qui va se faire pressionner. Alors qu'il y a chez lui, je ne sais pas s'il va avoir la bonne idée de faire le back, s'il va l'oser en tout cas, ouais, je pense qu'il va y aller directement. Là, ça va vraiment être un gros entonnoir pour les Supremacy, parce qu'ils ont quand même un bon setup sur le point. Ça risque d'être compliqué pour Supremacy. Après, malheureusement, les SNCA sont en infériorité numérique, hein, on le rappelle, ils sont en situation de 2 contre 3. Mais bon, il y a deux kills faciles à prendre. Chéri qui prend le premier, il est repéré, attention, ça va être compliqué de prendre le deuxième, il a besoin d'aide. Oh, et Chéri qui fait les double kills. Un énorme double. Et attention parce que là Requin a eu l'intelligence. Ah non, oh, dommage. Pas dû tirer, c'est dommage parce que là ils n'auraient pas vraiment prévu la décale en A. En tout cas ils auraient pas eu le temps. Attention, est-ce que les Ascensia vont penser à une rota en B? Et c'est ce qui se passe. Personne va checker. Personne ne check. Ah, et Requin qui prend full streak. Score streak. Super bien joué de la part de Requin. Alors là, s'il gagne en plus le 1v2, c'est juste parfaitement joué. Ouais, par contre là il a décidé de pas check la bombe Melo, il va attendre. Chose que qu'on voyait beaucoup plus rarement. Le Requin qui sort un énorme kill pour le break des suprématies. J'avais plutôt l'impression avant qu'il restait quelques secondes comme ça que les joueurs allaient plutôt sick le poseur et finalement maintenant ils préfèrent attendre que la bombe soit posée. Jouer le 1v1 bombe posée. En tout cas ça a pas payé pour Melo qui vient de se prendre un énorme kill de la part de Requin. Ouais. Premier break des suprématies, là il va falloir tout de suite réagir puisque le 4-1 pourrait déjà être déterminant dans cet essai. Ah ouais,
et à 4-1 avec des scores stricts, c'est plus du tout la même histoire. Hein. On le rappelle, Requin qui grâce à son kill sur Chéri et son très beau move d'ailleurs, va débloquer son full score streak. Donc voilà, c'est intéressant. Chéri qui prend le bon premier kill sur son ninja. Rush un peu dommage au mid là, comme ça, c'est un peu dommage. Un manque de concentration peut-être, parce que c'est pas des choses auxquelles on est forcément habitués. Mmh. Attention, c'est la bagarre. Oh là là, c'est là, 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 qui là, sort là, là, un là, là, énorme là. Double encore. Chéri qui fait le kill en mid-situation de 1v2. Là, ça va être compliqué. Chéri, voilà, qui a une position compliquée. Hein. Il a repéré ses deux ennemis. Maintenant, il faut prendre un kill, Chéri. Il nous a montré qu'il était capable de sortir des doubles de l'espace. Mais là, oui, comme il est, à mon avis, il va patienter derrière sa poubelle tranquillement avant de... Il est repéré, il prend le bon kill, attention Chéri. C'est joué de la part de Chéri, et il l'attend carrément à l'opposé, et les deux joueurs qui vont s'écarter de plus en plus. Ils sont vraiment à l'opposé de la map l'un l'autre. Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire, 39 secondes, je pense que Chéri va commencer à se rapprocher de la bombe, il faudrait qu'il le fasse du moins. Il faudrait y aller là, parce que 30 secondes ça va vraiment être... Parce que son vis-à-vis va revenir, moi je pense qu'il va revenir par le mid, et qu'il va checker la bombe par le mid. Et ça peut être très très dangereux pour Chéri s'il se rapproche pas de la bombe. Surtout c'est Requin, en plus il a une AR, à mon avis il la spot cette bombe Requin. Requin va tenter, il voit rien en A. Il la passe. Et Chéri qui. Ah non, Chéri, je pense qu'il va. Il tente pas la peau. Oh là là, Chéri qui va y aller au culot. Son premier shoot. Ah, t'es obligé de poser, Chéri. Ah, malheureusement, Requin peut prendre le kill là, hein, s'il fait la bonne décale sur le côté. En plus, il doit recharger, Chéri. Il a pas le temps, il doit recharger. C'est bien joué de la part de Chéri quand même. Requin qui tente. Oh là là, la grenade de Chéri. Très bien joué. Très bon timing de la part de Chéri. Ah, il lui a mis dans le genou là, il pouvait pas vraiment l'esquiver, Requin, c'est dommage. Pas de timing pour lui. En tout cas, c'est le débreak côté Ascentier, ça fait 3-2. Une SND finalement très très disputée comme on l'attendait. Hein. Ouais, vraiment, là, de belles choses de part et d'autre. Hein. On le rappelle. Requin qui perd malheureusement ce 1 contre 1 et Chéri qui remporte son 1v2, mais Requin qui a toujours et qui n'a pas utilisé ses score streaks, et ça peut être vraiment un game decider sur un petit rush en A. Ils se font une cover L-Storm foudroiement, c'est game over. Je pense que ça va aller en A de toute façon quand il y a les streaks. À mon avis, ça doit s'y attendre du côté d'Ascentia visiblement, vu leur déplacement. Ils ont 3 personnes disponibles, mais malheureusement Chéri qui a tenté tout de suite une rotation. Zéro qui prend le bon kill à la grenade, au moins il va spot ses ennemis et dire à ses teammates. Et là Requin est mort, donc il n'y a plus les streaks, ça change un petit peu la donne. On va voir ce que vous allez faire avec la bombe. Jack qui fait le premier kill, Getsem qui fait le deuxième. Situation de 2 contre 3 en faveur des suprématies. On va regarder un petit peu le tableau des scores pour le moment. 8-3 pour Chéri qui est en train de s'amuser, la Melo et Dilux qui ont un petit peu plus de mal. Et sinon niveau KFR, mis à part Tony Jack, on n'a pas trop vu en ce début de manche. C'est plutôt pas mal. Je vais pour Zyler, à mon avis, s'il monte au top. Ah, il va prendre lui-même. Ah, il sait que ça arrive. Ouais. Lui-même n'a pas touché. Ouais, c'est bizarre d'ailleurs, parce que il doit y avoir un isolement en face, parce que. Oh là là, Zyler qui a vraiment la bonne position là. Il a eu le brain de regarder. À mon avis, il a dû l'entendre. Et Tony Jack qui termine le travail. À nouveau un break de suprématie, j'ai envie de dire. Un petit peu un cas d'école là sur cette attaque. Hein. C'est vrai, un cas d'école, quelqu'un qui regarde le bac, les gars qui sont concentrés devant sur la bombe, voilà, c'est vraiment comme tu l'as dit, un cas d'école. On va partir voir si les Ascentiers ont encore la ressource de débreaker à nouveau. Ça ferait 3 fois dans ce match hein, déjà. On va regarder son rappel, les suprématies qui se sont imposées dans la première map. Donc en HP stand-off, plutôt facilement. Ouais, finalement. Plutôt aisément, ça a été accroché comme un peu, le scénario est un peu le même que notre hardpoint en fait. C'était vraiment accroché jusqu'aux 170 points et ensuite il y a une équipe qui s'est détachée un peu. Et là Getsum, il a fait un move, il a rush plein mid. Ouais. Et maintenant il a sans juste complexe. Le B pour lui. C'est cadeau, s'il a l'idée de faire le back, et je pense qu'il va l'avoir cette idée à mon avis. Ouais, et ses teammates tempo. Ah non, il veut vraiment sécuriser ce bomb site. Là, Tony Jack qui prend le bon kill, c'est la situation 4v1 là, il n'y a plus. Ah, mais on n'a plus rien à espérer, j'ai l'impression là sur le coin. Et voilà, Zyler qui termine le travail 5-2. Ça commence à mal tourner pour la sortie, il va falloir réagir assez rapidement. Ouais, il faut réagir là parce que mener 2-0, c'est compliqué dans un best of 5, hein, toujours, c'est vraiment plus dur. Donc voilà, Zyler envoie la kill cam là qui prend le bon kill sur Melo qui est en situation de 4 contre 1. Suprématie 5-2. On peut voir quand même Supremacy avec encore des full score streaks imposés sur cette carte, je pense. Et c'est exactement le même scénario que vous tout à l'heure, c'est-à-dire 2-0, 2-1, et après ils se sont un petit peu envolés jusqu'au 4-2 et au 5-2. En tout cas, les suprématies, on va rester dessus puisque c'est l'attaque et la même, ça va se reprofiler en A. Et je sais pas si Requin va utiliser directement ses streaks. Je pense qu'il va y avoir une RCXD qui va sortir. Alors, est-ce qu'il va tout de suite jouer à l'Hailstorm?
ce serait pas ultra ce ultra. Pas trop ingénieux à mon avis, ils ont pas encore fait sortir. Faut commencer par une RCXD. Ah, ouais, dommage. Ça va être compliqué de prendre un kill. Et il y a une RCXD qui est partie. Oh, il l'a fait. Il l'a fait dans le millimètre. Ah, là, c'est une petite erreur de 0 comme ça. C'est mis juste à l'endroit où il pouvait tuer. En tout cas, c'est très très bien joué de la part de Requin. Et maintenant, c'est annoncé en A et ça avant de. Il y a encore RCXD, il y a encore foudroiement, il y a de quoi faire. Il a voilà, Requin qui fait un petit frag sur une RCXD. Ah, c'est dommage de la part de Melo qui a pas eu de rec sur Toninja là. Franchement, il y a un bon kill quand même de prix au top de la part de Zyler. Zyler qui fait Zyler, fire qui... encore 10-4 pour Zyler. Et il est réellement rentré dans sa lame. Ouais, Zyler est vraiment dedans. Il a 6-2 en faveur de Supremacy, 2-0 dans ce best of 5. Les choses se profilent correctement pour eux. Hein. Ouais, j'ai envie de dire, toujours solide. Je les trouve beaucoup plus sereins qu'hier, si on peut se permettre de faire une comparaison. Ils ont réellement posé le jeu comme il le fallait. Et comment dire, ça fonctionne plutôt bien, ça leur est plutôt bien. Donc best of 5, demi-finale du Winner Bracket, on le rappelle. Et donc 2-0 pour les Supremacy. On va se profiler vers une CTF Red. Ils en gardent pas un bon souvenir pour le moment sur cette LAN. On va voir s'ils vont savoir faire le vide un petit peu et passer outre en enterrant tout simplement les espoirs des Ascentiens pour cette demi-finale. Ouais, je pense que par rapport au CTF Red Supremacy hier soir, je sais pas trop ce qui s'est passé pour être franc. Ils étaient pas tentés dès le départ, ça se voyait en fait. Il y avait quelques kills qui étaient donnés, des trucs offerts, genre les sorties de flag de carnage, elles étaient données clairement. Et donc on sait pas trop ce qui s'est passé après. Des bad games, on en a tous, faut s'en remettre tout simplement. Un event, ça joue le dimanche, comme on dit toujours. Donc voilà. Exactement. Donc, on va attendre en attendant si vous avez des questions, tant que les joueurs fassent leur classe et qu'un dernier joueur, donc Tilux en l'occurrence, revienne dans la partie. Des questions, toujours hashtag Dessert Live, on pourra y répondre directement. On a le Twitter à côté. Soit même pour Maxi, pour la suite de la compétition, même, je sais pas, sur lui directement. Tout à l'heure, on a eu un paquet de questions sur les joueurs préférés, tout ça, pour Zyler. Donc, les gens peuvent continuer à poser des questions. Ça marche. Alors, on parlait de Vitality sans structure, mais est-ce que c'est une équipe qui peut faire quoi? Alors on parlait de Vitality sans structure, mais est-ce que c'est une équipe qui peut faire peur? En fait, je pense pas qu'il y ait énormément de lien entre le fait qu'il fasse partie d'une structure et que l'équipe fasse peur. Je pense que le roster reste toujours le même. Le roster a été chez AA, il a fait de grosses performances, notamment à la Chefinity. Donc oui, le roster fait toujours peur dans le sens où il est bon, bien évidemment. Après, le fait qu'il n'ait plus de structure et qu'il soit lancé dans un projet entre guillemets perso, c'est juste un... quelque chose de nouveau quoi. Bien vu de la part d'Unix, c'est un peu comme ce qu'ont fait les Impact, ils ont lancé leur propre marque entre guillemets, leur propre boîte, donc voilà. Il n'y a pas trop de. Je pense pas, il n'y a pas vraiment de lien. Après peut-être qu'ils voulaient tourner sa question dans le sens où le fait qu'ils aient moins de pression, peut-être qu'ils vont plus se libérer en LAN. C'est possible. Après ça reste les mêmes joueurs, je pense que ça reste la line-up qu'on connaît, il n'y aura pas de réelle différence avec ce qu'on a actuellement. Donc si vous avez d'autres questions, on ose aguer, on check l'écran, vous inquiétez pas. T'as raté un Dolphin Dive. Ah ouais? Un Dolphin Dive de là. À la boîte. Un Dolphin Dive. Et on va partir pour peut-être la dernière match, la dernière map pardon, de ce BO5. Donc BO5, c'était Fred. Justement, je suis avec un adorateur peut-être de la CTF Red. La CTF tout court. La CTF tout court. Donc Carnage qui m'a rejoint pour cette CTF. Est-ce que tu vois les Supremacy confirmées sur cette map? Les objectifs. Bonne question. J'ai pas vu les deux premières maps. Ils ont remporté l'HP assez facilement et la SND comme vous 6-2 en fait. Ça fait quasiment le match que vous avez fait contre la Sentinel. Ouais. Oui, pourquoi pas. Je vais regarder juste comment ils vont jouer à peu près. Ouais, donc je joue avec deux SMG agressifs et les deux AR sur les côtés. Ce style de jeu, je pense que l'équipe de Zéro vont pas l'aimer. Ouais. Parce que ce type de jeu serait massif assez, porté sur le kill. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Mais je donnerai quand même un avantage à l'équipe de Supremacy sur ce CTF. Une petite nuit de Melo qui va partir tranquillement au niveau du basket. Il va wait à mon avis. Il a pas vu qu'il y en avait un. Ouais, Getsum l'a attendu tranquillement. Là, les Supremacy qui font attention aux sneaky. Ils ont vérifié tout avant de partir.
Ils sont pas encore partis. Getsab là malheureusement il s'est fait avoir. Ça va arriver au niveau de Brouet, il le saisir, il va wait tranquillement. Il va peut-être monter. Attends, il va faire tout là. Qu'est-ce qu'il a choqué son. C'est Tonja, ouais. Dans la banque, oh, ok. Hyper oui, qui n'a rien cuisine. Wow. Oh là là, Rotten, okay. Tu prends quand même un kill important là sur zéro, sur zéro ouais. Directement. Tu vas le calmer Dilux. Voilà, pour le moment, ça saute. Okay. Ça, voilà. Première erreur de suprématie pour moi, et personne qui est repassé par le P1. Ah, ça y est, quelqu'un qui y va. Il faut que personne haut. Oui, le problème, c'est qu'ils sont partis à deux, et ça va être la porte ouverte, un peu le même scénario hein, ouais, qu'il y avait hier. Ça va, la Tonidia s'est rendu compte, et maintenant, ils commencent à couvrir réellement toute la map, ils vont progresser en équipe. Ah, ça, c'est bien un jeu de leur part. On voit les Avengers qui sont. Enfin, les Avengers, oui, c'est l'Ascensia. Ouais. Les trois qui sont en place à défendre ensemble. Donc voilà, il y en a un autre qui est mort, le Melo a repris sa place. C'est des bonnes rotations d'équipe pour l'instant, une des deux équipes. Sailor là, à mon avis, va rencontrer Tilux. Et là, on voit que le jeu est très passif. Ouais, c'est très passif, c'est statique. Ça, ouais, ça attend et ça attend de faire les kills et pouvoir pousser tranquillement. Il n'y a aucune des deux équipes qui cherche l'agressivité. Sailor qui a une bonne pause à mettre, c'est qu'il s'est fait spot par Tilux. Il va faire peut-être le kill sur Chéri, non, ça ne suffira pas. Attention, moins deux côté. Il y a une sneaky côté. Voilà, côté KFR, donc Requin qui est prêt à sortir le flag en face. Il va attendre le triple de son équipe, enfin au moins un double. Il va attendre que la SNCA avance. Ah, la SNCA qui a vraiment aucune idée qu'il y a une Sneaky dans leur dos. Ouais, là ça se trouve pas. Par contre, le problème c'est que Chéri a pris le kill sur son. Et Chéri qui est parti défendre le flag. Une bonne inspiration de sa part. Il a été vérifié, il a vu personne. Dommage, il va repartir. Là, il y a plus de timing pour autre. Ah, il a vu que. Voilà. Lag, attention, au niveau de la piscine, ça va peut-être pas suffire. Oui, voilà. Il a pu sortir. Là, à mon avis, il va avoir un petit boulevard. Il va falloir counter au niveau du mid pour les suprématies. Une Jack fait kill. Le kill très très important. Et là, ça va être planté sans aucun problème par les suprématies. Qui finalement peut-être arrive à plus se retrouver dans leur jeu, en tout cas ils sont plus craintifs. Ouais, ils sont beaucoup plus défensifs, ils prennent leur temps à me repousser. Là, la Sensa, ils ont dommage, ça fait une erreur, c'est de délaisser l'eau, et bah ça a payé cash. C'est une erreur, ça se paye. Vraiment, on voit les trois Sensa dans la cuisine. un peu la seconde ceinture, on voit la Zero qui a Oshin, enfin, donc qui a perdu son bien face à Rock, un Zero qui est. Getsam qui se fait tuer à son tour. Mort. Et Zero qui est le dernier survivant dans la cuisine, il se fait tuer par Tonidja. Et donc les suprématies qui ont poussé le P1, l'eau et le mid, donc parfait. Aucune sneaky possible. Voilà, c'est bien joué de la part de Zyler qui gagne un bon duel. Au niveau du mid, il va arriver. Il sait que ça va arriver zigzag normalement. Oh là là, il y a une bonne sneaky là de Rocket encore une fois. Qui fait... Oh là là, il a pris un turn par zéro. C'est dur. Hein. Ouais, mais bon, t'es zéro quand même sur ses 10, donc ouais. Ça va vite. On prend un turn avec ça. Ça va très vite. Donc là, on voit les suprématies qui sont redescendues un peu. Attendre pour faire les kills, voilà, donc l'Avenger qui veut laisser. L'Avenger qui essaie de repousser. Et voilà, les Supremacy les attendent, font les kills et maintenant les Supremacy devraient pousser, voilà, ça pousse mid et haut en même temps. Ah, ça avance vraiment qu'un peu. Avec Getsum qui cherche vraiment la sneaky. Avec Getsum là qui est en mode je cherche la sneaky et je joue mes streaks surtout parce qu'elle est pas loin de son S1, son foudroiement. Il va attendre au niveau du OP1. Ça va arriver, ah, dommage, il a pas eu le timing. Donc, le dernier, Getsum. Il l'a vu passer dans la banque. Il le laisse juste. Il a dû faire l'annonce. Ah, il l'a pas vu. Il l'a vu dans la cuisine. Voilà, c'est vraiment pas bien joué de la part de Getsum. Là, Getsum qui fait son kill. C'est dommage, j'aurais pu avoir le triple. Il a eu un storm. Par contre, Zero devrait avoir ses kill streak. Là, il a eu aussi son storm. L'storm de Getsum qui devrait tomber. Et le Hellstorm. Oh, il a visé la mauvaise personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a pas eu comme de son coéquipier que le flag est passé mid. Oh, il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps. Il a trop wait. Zéro a trop wait et il a pas pu scorer ce flag. Sincèrement, je pensais que c'était égalisation. Moi aussi, j'ai pas fait gaffe au temps. Et finalement, il a pas eu le temps de scorer ce flag. Il y a de quoi avoir des regrets là, surtout après le mais check. Il aurait pu faire un Dolphin Dive, hein, comme aurait pressé la gazette B. Ou le joystick qui se mettait en tactique. Il aurait pu mettre ce flag là, bon bah dommage. Ouais, là c'est à mon avis, il va peut-être sembler que de ne pas avoir mis ce flag, on va voir ça pour la suite du match. L'avantage c'est que Zero quand même garder sa série, il devrait faire plus qu'un kill pour avoir son foudrement. Peut-être faire la grenade, attention. Bon, non il est au top. Ça passera pas, ça arrive à droite, Zero va avoir un. Il a la passerelle. Attention, ils sont. Zero l'a attendu, je crois.
Oh, il a sauté dessus. Ah, et il a passé SS et Requin qui a sorti Fly. Grosse erreur défensive encore des SNCA, voilà la cover de Zeller. Il va courir au niveau du B1, attention à toi Requin. Et voilà, précision chirurgicale pour Zoro avec son seul phare, mais ça va être récupéré par Zeller directement. Qui va aller run ce flag au B1, il n'y a pas grand monde pour l'inquiéter. Ça dépend si ça va passer mid, attention. Bonne cover de je sais pas qui le couvre. Alors de, c'est Requin. Le Requin avec Zeller, ça, voilà. Ça fait du 2-0. Donc un kill à Zeller pour CSS. S'il réussit à avoir CSS, ça va être la fin. Enfin, ça va être très très dur de aux assassins de remonter. Ouais. Enfin, quoique. Nous, on perd de 2-0, on a remonté 3-2. Ouais, mais là, sincèrement, je vois pas les Ascentia, en tout cas dans leur façon de jouer, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus agressifs. On voit Melo là qui est sneak dans le garage, il a fait le kill. Ah non, il a pas fait le kill important à se mettre sur Zeller. Je sais pas s'il a débloqué ses streaks. Logiquement, il a tué Melo, donc normalement, il devrait avoir ses streaks. Ouais, voilà, c'est bon, Elstorm fout vraiment. Ça va se compliquer quand même pour les Ascentia là dans cette CTF. Donc voilà, les Suprématiques sont très défensifs. Tony qui essaie de se un peu au milieu du min. Voilà, il fait un kill au milieu du min map. Donc les Suprématiques qui remontent bien, ils ont pris le pain, ils retrouvent du mid, il y a Getsum qui va donc flag camp. Ouais, Tifix qui passe au niveau du raid, il l'a pas spot. Et oui, c'est très difficile ce duel là, voilà. Donc Requin qui a mis au kick le chaîne juste après, donc deux morts, les. Requin qui va pousser tranquille et la voie libre là. Ouais, okay. Il va encore pousser. Est-ce qu'il y a la Cynthia vont défendre? Il l'a vu. Oh! Kill de la part de Requin et j'ai pas compris, c'est que celui qui était piscine n'a pas back son flag, il a laissé celui de cuisine. Attention parce que maintenant il va falloir aller récupérer Requin. Je sais pas s'il se doute qu'il y a quelqu'un à sa gauche. Voilà, c'est fait. Gros duel remporté de Requin encore une fois face à Chewy. Ouais, ce duel là pour les SMG est très simple parce que si on est du corps à corps et vous savez qu'on s'en doute un peu que le mec est là. Bon, s'il est pas là, bah, c'est pas grave, vous allez regarder pour rien. Regardez qu'une seconde. Il va en plus les CS à mon avis. Ah, le flag est sorti côté Ascentia au milieu du mid. Chéri qui perd la cover, mais bon, Melo qui a quand même ce flag. Oh, le return! Le flag a été return. Ouais, le flag a été return très très bien joué de la part de Divux. Il a fait un énorme double, mais ça fait 2-1. Et attention, là ça change tout. Et Divux qui sort le flag. Divux n'a pas de streak, mais Zeller a des streaks. Donc ils vont tomber là dans quelques. Ils vont tomber maintenant. Enfin, Divux. Ah, même pas, non, parce qu'il y avait. Il y avait Getsum qui était. Parce que là, ils auraient pu forcer Zeller du Siki streak et du coup, pouvoir reprendre une cape plus simple après. Ouais, mais là le problème c'est que Getsum en a décidé autrement au niveau de la piscine, il est tranquille, il va attendre à côté du terrain de basket. Du coup il n'y a même pas eu CSS. Non, du coup l'arrière il était juste à un kill. Et voilà, de toute façon il remportera pas, il va tenter l'UM et l'ESC. Il sait qu'il y en a un haut, il faut le trouver. Ouais, il est reparti au niveau de double SK, voilà, il est tombé sous les balles de Zero. À mon avis ça a poussé, voilà, tranquillement. Là ça pousse beaucoup. De toute façon, les SNCA n'ont pas le choix, ils doivent aller chercher les spoons. Tony qui campe au fond de son garage. Donc, les SNCA qui prennent quand même pas mal leur temps, ils rebackent un peu pour prendre tous les côtés, s'assurer qu'il n'y a aucune personne qui passe dans leur dos. Zéro qui prend un kill, Chéri qui prend un kill, Tony qui fait le kill dans le garage. Ça va du 2v2. Zeller qui fait ce kill et Tony qui fait le deuxième kill. Ouais, je pense que Tony l'a mis, oui, à mon avis. Heureusement que Zeller a sorti ce kill parce que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Ce qui s'est passé dans la gym. Zeller doit s'en douter. Ah non. Mais Tony déjà regarde la team, donc bon, je pense pas que. Ouh, magnifique kill de Melo. Il va essayer de le sortir dans la fumée. Ah là là, il a fail. Il se fait allumer à travers la fumée. Ce qui est très simple. C'est pour ça qu'il s'est reparti côté voiture bleue, il aurait pu le sortir. Alors, c'est qui en face des deux? C'était Zéro. Tant 1v3, elle a pas pu faire grand chose. Et 30 secondes sur ce CTF. Un petit tour du côté de table de score. C'est la fin, il reste 25 secondes. C'est chaud. Attention, Zeller, est-ce que Zeller a encore CSS? Zeller, ouais. Je crois qu'il a encore CSS. Ah, mince, c'est bon. On va pas le voir. Zeller reste bon. Ça va arriver. Ça défend et c'est gagné. Victoire gagnée, Zeller, en plus qu'il y avait CSS. Zeller, il avait encore CSS, il va tout balancer. Voilà. Et voilà. C'est victoire des Super 3-0. Bah finalement, quasiment le même parcours que vous, mis à part qu'il n'y a pas eu, vous avez fait une remontée sur la CTF, eux ils avaient scoré avant, mais 3-0. Ouais, un aspect, ils ont fait quoi comme score? Ils ont gagné 250 à, je sais plus, je crois qu'ils ont dû mettre en plus 100,
Ouais. Moi, c'est quand même assez tranquille. Ouais. Entre guillemets, tranquille, ils ont bien. Jouer leur jeu. Très bien joué, voilà. Donc, on va. Bah, écoute, je vous remercie pour cette dernière map. Qui on se retrouve là. Et puis, bon, on va se retrouver là. Je sais pas si vous jouez directement. Oh, je pense. Je sais pas du tout. Il y a Yannick qui fait des fails. Directement, oui, on fait des petites feintes. En tout cas, on va essayer d'être toujours aussi présent sur le stream. Puis, bah, n'hésitez pas à réagir hein, si vous voulez sur le Twitter de Desserto France, sur le hashtag Desserto Live. Et. The Carnage, je sais pas s'il y a ton Twitter juste en dessous. Non, je suis Maxi. Ça devrait être suivi, Max. Et puis bon, on se retrouve très très rapidement pour la finale, du coup, la finale winner, donc qui vous opposera Millennium face à Supremacy. On se retrouve très très rapidement. Tout de suite, c'est ça.